Allez, mesdames et messieurs, il est 1h du matin, nous allons pouvoir assister aux finales individuelles féminines et juniors de cet Open de fléchettes des Pirates. Bah, les juniors, avec la bulle pour déterminer le joueur. Hein. Et là, il n'y aura pas de man game. Puisqu'il me semble que ce sera... Alors le truc, c'est que je ne sais pas qui est qui. Bah, tu demandes. Tu ris à demain. Et tu restes qui c'est qui sur toi. Oui, finale des compétitions, c'est le bordel monstre. Mais bon, je parle trop fort, je sais très bien ce que c'est. C'est de ma faute. Ouais, on a l'habitude. Mon lacet était défait. Il y a trop de fumée sur le stage. On sait. Oh, ça fait 5 ans que je commande des compétitions internationales. Croyez-moi que j'en ai vu défiler, hein, des excuses de sac. Et c'est pas un peu de bruit pour un jeu de bar qui devrait être un problème. Allez, premier 301 et on commence. Début de cette finale féminine. Apparemment, Céline aurait été championne de France. Céline aurait été championne de France, d'accord. Alors, quelqu'un peut me dire qui est Céline, qui est Adeline? C'est probablement la blonde. Parce qu'il y a beaucoup de Deline. Céline. Donc, Céline blonde et Adeline brune. Très bien. Ah, probablement, je ne suis pas sûr. Une certaine forme de dextérité, et à défaut d'avoir touché la cible et donc d'avoir fait triple bulle, elle a réussi à accrocher le 19, ce qui est vraiment très très bon finalement pour dire c'est un bon raté. Ouais. Cette bulle est là. On a 206 points. Ouais, Adeline qui frappe fort, double bulle et single 17. D'accord, très bien. Donc Céline est la brune, Adeline est. Et la blonde. Excusez-moi, hein. J'ai du mal évidemment à vous connaître. Si toi Adeline ou toi Adeline, tu réécoutes la VOD de cette de cette finale. Des bisous, évidemment. Allez, Céline qui a plus qu'à terminer. Et 41, c'est premier, c'est la mort. Les nombres premiers, on en parlait justement. Tu peux pas terminer. Du coup, on vise 9 pour faire 32. Les chiffres impairs, évidemment, pour retrouver un chiffre pair. Malheureusement, la bulle est ratée. Et on se retrouve avec 84. Double 16 pour terminer. Et double 16 touché. Ça va aussi vite dans les féminins. En 301, ça va vite. C'est pour ça qu'il y a la finale avant toutes les autres. 1-0 pour Céline. On va passer au cricket. Alors le cricket risque d'être un peu plus long peut-être. Parce que c'est vraiment. Mais c'est vraiment difficile hein, d'un point de vue précision. Il y a beaucoup de cibles à toucher, beaucoup de points précis. Donc peut-être qu'avec. Même si on vise le 20 et qu'on tire assez à côté. Les portes risquent de se fermer plus lentement. Ouais, très bon triple 20. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah non, ça c'est. Ça risque de pas être si long que ça finalement. Ouais. Il y a peut-être une différence de niveau au niveau cricket là. Oui, bizarrement, autant j'ai l'impression que Céline a beaucoup moins de mal à viser la bulle, mais ça semble être. Le cricket semble être voilà, la discipline, la spécialité d'Adeline. Ouais. Bah, sans prêter d'ailleurs d'aller essayer de fermer le 19. Elle a vu qu'elle pouvait pas fermer le 19 ou que ça allait être difficile, elle a préféré scorer le 20. Elle a quand même refait triple 20. Hein. Oui, c'est ça, Céline, c'est la brune donc. Donc 1-0, tout va bien. Calmez-vous, je vous en prie. Ça se trouve, Céline est championne de France. D'accord, ok. Donc là, ça joue sur haut niveau. C'est Céline, championne de France. Il semblerait. Bon, le 19 est fermé. Oh,
Oh là là, ce score sur le 19, ouais. Cela dit, Adeline reste quand même en tête. A tout pour fermer le 19. Voilà, le 19 est fermé, on va s'attaquer au 18. Donc finalement, au lieu d'attaquer le 18, c'est un simple 20 qui permet de rajouter des points. C'est bizarre parce qu'on a vraiment l'impression ici avec l'angle de la caméra que le 17 est touché alors que non, finalement c'est la cible d'à côté. Oh, mais ce 17 qui a failli être fermé en un coup aussi, pas passé loin du triple 17. Et voilà, triple 17 avec le single juste après, c'est 17 points supplémentaires à ajouter au tableau de chasse d'Adeline qui fait à présent... Ouf! Il y a des petites fléchettes comme ça, des fois, qui font plaisir. Et puis juste après... Juste après, c'est plus compliqué. Ouais, ça vise le 18. Ah, les 18 sont ratés, le 20 est raté. C'est un tour pour rien. Ouais, voilà. Il reste encore relativement en retard. Céline qui pourrait tuer le match, hein, tout simplement, si elle remportait ce cricket. Puisqu'après, bah, ça serait peut-être un peu remis au petit bonheur la chance, puisque c'est toujours un peu player 1, player 2. J'espère au moins que ça jouera en 501. Que ce soit un peu plus de place au main game. Mais je crois que c'est toujours un 0-1 pour départager. Et ce 2 qui est bon. Et là, évidemment, toujours 177, hein, tellement de points d'avance. Hein, tellement de points d'avance pour Adeline. Et on s'attaque à la porte numéro 15 qui est bientôt fermée. Voilà, porte numéro 15 fermée avec un triple 15, ce qui permet de marquer 30 points supplémentaires. On s'attaque au 16. Le 16 qui n'est pas fermé, mais cela dit, ça arrivera quasiment sous peu. Il n'y reste plus aucun point de farm pour Céline. Voilà, single 16, single 16. Ah, il aurait vraiment, vraiment fallu faire triple 16. Ça aurait pu sauver peut-être la partie qui ici commence eh bien, à prendre un tout petit peu l'eau. Voilà, le 16 qui est à présent fermé, il n'y a plus qu'à viser la bulle. Alors ça n'avait pas spécialement réussi. Excusez-moi. À Adeline, la bulle. Lors du 0-1 précédent. Mais peut-être que... Eh bien, ce coup-ci, ça va lui sourire. Allez, petite bulle pour terminer et plier ce match. Voilà, très bonne bulle. Bulle simple. Et une bulle double pour terminer. Ah, on est à côté, mais on a quand même marqué un point sur la bulle. Sachant qu'il ne reste plus que la bulle à scorer maintenant. Pour Céline aussi. Je remarque que la position féminine est moins sportive que les... Ah, il y a quand même eu un simple bulle. Les filles sont très droites. Comparé aux garçons qui sont très... Ouais, vraiment très... Des postures d'athlète. C'est ça, très axé vers la cible. Voilà, et le gain sur cette fermeture de bulle, un partout. Et on va retirer la fléchette pour déterminer... Oh là. Elle est partie où là? Elle est là. C'est retourné. C'est oui. Je vais avoir du mal, je demande un arbitre. Je demande un arbitre, là je crois que c'est le tir. Je peux y aller au mètre si tu veux. C'est le tir fatal et on va y aller au 501 quand même. Donc alors attention. Tout de même, ça reste un 501 à jouer. Bisous. Allez, c'est parti. Bonne chance à toutes les deux. Le 501 pour déterminer le vainqueur de cet open de fléchettes des pirates. Les individuels féminins et juniors. Et très bon score. On commence par un low turn. Céline qui met directement une pression assez importante sur son adversaire qui a de plus en plus de mal à viser la bulle. Ouais, il faut qu'elle se reconcentre. Ouais, ça on sent vraiment qu'il y a eu de la pression. On la voit un peu souffler, un peu pester. Il faut dire que cette cible et cette bulle totalement ratée à la limite du pneu a dû mettre un coup difficile. Oh là 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 là. Putain, hat-trick direct. Elle a vu. Elle a vu, à mon avis, une possibilité de KO.
Ouais, ça encourage quand même derrière. Hein. Et après, c'est moi qui fais du bruit. Ça, c'est gratuit. Voilà, mais franchement, toi. C'est gratuit. Hey, l'OTAN, encore une fois, 120 à suivre. Et de quoi terminer la partie juste après. 50, 50 et 20. On terminera quand même sur un sur l'OTAN. Avec 246 points pour Céline, pour Adeline, pardon, mais cette ligne qui devrait pouvoir terminer. Avec ce championne de France qui est à 97, c'est pas bon. 90, c'est mieux. 90, c'est mieux, mais ça laisse peut-être une chance supplémentaire à Adeline de revenir. La différence est énorme. Oui, il y a évidemment énormément de points de retard, mais aux fléchettes, rien n'est jamais terminé avant que eh bien, le score soit intégralement tombé. Différentes façons de venir au bout. 70 avec le 20, 55, et là, on ne pouvait pas terminer sur 55. Ça va être très dur à rattraper. Du coup, c'est beaucoup plus difficile de fermer. Une deuxième bulle aurait été pas dégueulasse hein, quand même. Mais 150, c'est pile poil un hat-trick. Regardez, la bulle qui brille. Et la voilà. Elle est touchée, c'est superbe. C'était la finale. Ce 5 juste après, qui va donc clôturer cette finale féminine sur la victoire de... Céline Ernult, félicitations. Alors celle qui sur le chat vous avez pris pour la championne de France, eh bien a probablement gagné la magnifique somme de. Je vais dire ça. Parce qu'évidemment il y avait énormément d'argent à gagner dans ces individuels féminines et juniors. €80 pour le vainqueur, de quoi payer les frais d'essence pour venir ici quand même. Hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et la vie, ça gagne 40. Bravo les filles, bravo en tout cas. Magnifique finale et félicitations à Céline Ernult pour cette victoire. On va passer maintenant. On va passer maintenant. Eh bien aux hommes.